Bonjour les loulous, bonjour les louloutes. Le Dauphinois, bonjour. Valérie Day, bonjour. Alors, je vous avais promis un direct et depuis belle lurette sur les couleurs lutéa. Et ce que je voulais faire, c'était quelque chose de naturel. Pourquoi? Parce que les couleurs lutéa, ce sont des couleurs végétales naturelles. J'avais un décor, j'avais tout était bien. J'avais un ordinateur qui a fait. Et donc, c'était plutôt dommage. Alors, j'ai attendu, j'ai réparé l'ordinateur, et quand j'ai réparé l'ordinateur, c'était plutôt le temps. Et quand je dis le temps, je ne dis pas le temps avec les petites aiguilles qui tournent, mais le temps pourri, comme je pense certains peuvent avoir, a priori pas la région parisienne. Mais bon, donc je vais vous faire deux aquarelles. Et oui, pas une, mais deux aquarelles. Et pendant avec les couleurs du théâtre, je vais vous montrer certaines choses, je vais vous expliquer certaines choses. Et vous en ferez ce que vous voudrez, évidemment. Je rappelle que je n'ai pas été payé par l'UTA, mais toutefois, je dois quand même remercier Anne-Sylvie. Pourquoi? Parce que c'est après une très longue discussion suite à la première vidéo que j'ai faite, où elle m'a dit, tu sais, il faut quand même que ça sorte du tube pour voir comment ça peut bien marcher. Bonjour Alicia, bonjour Michel. Alors, j'étais là, j'ai dit, pourquoi, quelle différence y a-t-il avec le tube et les petits morceaux séchés qui me restaient sur la première vidéo? Elle m'a dit, bah, écoute, tu verras bien. D'accord. Et elle m'a envoyé, au départ, ça devait être 4 ou 5 tubes. Elle m'en a envoyé plus que ça. Et je la remercie mais totalement parce que elle a joué le jeu. Effectivement, j'ai testé et effectivement, c'est différent. Et je l'ai complété par deux ou trois autres couleurs. Bon, en sachant que, on va dire que juste un tube au prix fort, c'est quasiment le prix d'une boîte d'aquarelle Cotman. Mais, de temps en temps, il faut y aller. Alors, ce que je veux dire. Alors, juste, je vous fais une. Je ne suis pas payé par Aquarelle et Pinceau, en sachant qu'ils font un moins 20% jusqu'au, je crois, au 1er juin sur les couleurs du tiers. Alors, donc, on va essayer de faire. On va travailler sur deux choses. Alors, je vais travailler donc sur un paysage. Un paysage sur du Fabriano. Et un nu qui est sur du Milford. Je vous en ai déjà parlé. C'est un papier anglais. Alors, on va déjà commencer par lui parce que le temps qu'il sèche, ça va être chaud. N'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser, hein, n'hésitez pas. J'essaierai de ne pas vous y répondre, évidemment, comme d'habitude. Évidemment, je blague, comme d'habitude aussi. Je sais que le père Patrick faisait aussi un direct. Je pense qu'il m'excusera. De toute façon, il y a des replays des deux côtés, autant de son côté que du mien, donc je pense que ce ne sera pas un souci. Alors, bon, petit hommage, je pique Saron Ronson. Ah, c'est bizarre, il faut quasiment l'éternuer pour le sortir, ce truc. Allez, on fait. Ah, tcha! Ah, c'est dégueulasse. Ah, tcha! Voilà. Moi, je m'en sers pas pour peindre, mais pour mouiller.
Allez, on y va. Donc, je l'ai bien préparé, hein, j'ai foutu. Vous avez vu, il y avait des traits de crayon. Et puis voilà. Qu'est-ce que tu nous écris, Valou, là? C'est quoi cette écriture bizarroïde? Alors, la ronde ronde-sonne. Allez, maintenant, elle va au dodo. Alors, j'ai fait deux tas. Là, ça, on va dire que c'est le tas pour le nu, et là, ça va être le tas pour l'aquarelle. Pour cette aquarelle. Alors, le problème déjà des UTA, ne cherchez pas 40 bleus. Bon, en français, ça donne Hello Manu. D'accord. C'était quoi comme langue, ça? Alors, je prends. Alors, ça, c'est le premier souci. De la lutéa, si on peut dire, c'est qu'il y a très peu de. Il n'y a pas de bleu, il n'y a pas de bleu, il y a juste un seul bleu, c'est l'indigo. Donc, faut jouer avec cet indigo pour faire si vous avez besoin de bleu. Sinon, ce que vous pouvez faire, alors, en prenant chez Miss Isabelle, vous pouvez prendre des couleurs plus artistiques. Bonjour tout le monde. Tu as mis des drawing gum? Oui, j'ai mis des drawing gum. Donc là, j'ai pris plusieurs. Je ne sais pas si vous le voyez. Non, vous ne voyez pas. Là, voilà, j'ai plusieurs bleus que j'ai pris d'aquarelle artistique et j'avoue que ça marche aussi très bien. Ben, c'est de toute façon, Miss Anne-Sylvie m'a dit faut pas aussi hésiter à mélanger. Alors, on va mélanger hein, après tout. Ouais, là, je vais prendre, je sais pas, peut-être un bleu d'un anthrême, je sais pas, ou un. Qu'est-ce qu'il me reste là? Il me reste un petit bleu de Prusse. Allez, on va prendre un petit bleu de Prusse. Ça mange pas de pain, voilà. Donc, on va laisser un peu. Faire le reste. Alors maintenant, on va utiliser la suite. Alors la suite, là, on a un jaune solidage. Je sais pas si vous le voyez. Aude, bonjour Aude. Alors, il faut le dire. Bah oui, pourquoi tu veux que je le dise pas? Pourquoi tu m'engueules, Alicia? Mais pourquoi on me fait tant de mal? Hein? Hein? Qu'ai-je fait? Allez, donc je mets un peu de jaune solidage. Donc, le truc qu'il faut savoir, c'est que donc tout ça, c'est des couleurs végétales. La question que vous allez me poser, parce que je sais que vous êtes super intelligent, et que de toute façon, même si vous ne l'étiez pas, vous êtes super intelligent parce que vous me regardez, donc vous êtes super intelligent. Hein? Non? Bon, d'accord. Et qui dit couleur végétale dit éventuellement durée dans le temps. Et d'après Anne-Sylvie, ça a une bonne durée dans le temps. Alors, là, je mouille, je mets maintenant du vert clair. Alors, on va mettre un peu de vert clair par-ci, un peu de vert clair par-là. Je sais pas pourquoi j'ai une chanson de Noël dans la tête. Quoique c'est peut-être à cause du temps, je sais pas. Je crois que mon Ron Ronson était dégueulasse. Vu. Je prends maintenant du vert foncé. Voilà. Et je vais en mettre un peu partout. Je vais reprendre du jaune solidage. Alors regardez, j'ai quand même mis une bonne dose de jaune solidage et ça disparaît assez vite. Alors le problème du jaune solidage, enfin plutôt des couleurs UTA, c'est qu'on les consomme très vite. Comme je vous l'ai déjà écrit sur le review que j'ai fait. Mais bon, ça, alors. Voilà. Là, je vais en mettre aussi un tout petit peu et je laisse se mélanger avec le bleu indigo.
Qui se ressemble, s'assemble. Surtout, reste comme tu es, Manu. Il fait magnifiquement beau à Paris. Bah, reste à Paris, hein. Sale des Parisiens! Tête de chien. Pardon. Je me permets, hein, parce que on se connaît avec Valou, hein. Non, je me permettrai pas. Alors. Donc, là, j'ai du karma et je vais utiliser le karma pour casser un peu les couleurs. Voilà. Alors ça, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'avec ce type de couleurs, c'est assez chaud et il faut connaître ces teintes pour faire quelque chose. Je reprends de l'indigo. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais quand même, ça a une super puissance, l'indigo. Alors, je commence à en avoir marre des gens qui me sortent. Il fait super beau chez moi. Ta ta ta. Ouais, ben, c'est parce que pour une fois, il fait beau chez vous. Mais combien de fois il fait beau dans le nord et combien de fois il fait beau dans le sud-ouest, on va dire. Hein? Hein? On calcule? Bon. Allez, on fait le fond. On va laisser sortir un peu tout ça. On va reprendre du vert clair. Voilà. On va passer quelques coups. Et regardez, j'ai quasiment tout le vert clair que j'avais posé qui a déjà disparu de la boîte. Donc, j'avoue, c'est pas très 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 économique, même si c'est très écologique. Mais alors, vous aurez remarqué que j'utilise les deux couleurs, enfin les deux couleurs. Les deux pots d'eau plutôt. Voilà. Voilà. Je reprends un peu de vert foncé. Et là, j'arrive franchement à la limite des couleurs qu'elle nous offre. Donc, je puise dans mes restants de bleu d'ailleurs. Donc là, voilà. Voilà. On laisse un peu comme ça. Ça va sécher avec le temps. Avec le temps. Ah, ça y est, il se remet à chanter. Ah, ça y est, il va encore pleuvoir à Paris. Ah, ça y est, il va nous faire chier. Alors, voilà. Donc, là, on a une grosse bouillie. Et puis, voilà. Alors, je vous lis d'abord. Moi, je trouve que c'est de plus en plus souvent. Oui. Une fois par an, il fait beau à Paris. Oui. Sur le lac Léman aussi, où je visionne en ce moment. Il est jaloux car il n'a pas pu mettre aujourd'hui son short et sa chemise hawaïenne. Alors, très cher Valou, je ne ferai pas de plan dessus, mais je peux t'assurer que je suis en calebar et juste en calebar. Plus, ce serait à poil. Voilà. Donc là, je vais faire couler un tout petit peu l'eau. Voilà. Et je vais le laisser sécher tranquillou. Enfin, je vais pas dire sécher, je vais plutôt dire il est en train de. Je vais laisser l'eau se liquéfier, si on peut dire. Je vais reprendre du jaune solidage, puisque j'en ai déjà consommé pas mal, et vous allez comprendre pourquoi. Et Alicia, oh, bah oui, je peux être tout, je peux, voilà. C'est ça l'intérêt. Vous savez, je suis comme Mazur qui disait qu'il faisait le journal en short, et au-dessus, il avait juste le dessus de son complet.
Bon, alors là, donc, je vais faire un nu. Alors, pourquoi? Ben, parce que comme quand j'ai testé la l'UTA, franchement, j'étais un peu circonspect à savoir au niveau des teintes, etc., quelle était franchement l'utilité ou pas de la l'UTA. Et j'ai fait un nu à un moment donné, et je me suis dit, putain, mais les couleurs, elles sont... Et je vais vous montrer pourquoi. Alors, donc là, je prends un plus petit, parce qu'il faut toujours avoir un plus petit, c'est soi. Et là, j'ai plusieurs couleurs. J'ai du lac de Garance, du rose, et j'ai du rouge de Garance. Et niveau teinte, il faudrait que j'ai un petit bout de papier. Et évidemment, quand je n'ai pas de petit bout de papier, ça part en coucouille. Voilà. Donc, pour vous montrer. Donc, ça, c'est du rouge de Garance. Et ça, c'est du rose de Garance. Et regardez comme c'est hyper léger. Vous voyez? Donc, ça, c'est la première chose. Et en faisant quelques mélanges, donc là, par exemple, là, j'ai de l'orange, du lac orange, et là, j'ai l'orange de thym. Vous voyez, c'est moi, ouais, hein, voilà. Donc, on pourrait se dire, oui, mais qu'est-ce qu'on en fait? Ben, c'est justement le côté végétal de la chose qui m'a franchement interpellé. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un peu, j'ai regardé et je me suis dit, mais quand on regarde bien, c'est quasiment la couleur de la chair. Et je peux vous dire qu'on a presque même la teinte et la couleur de la chair. Alors c'est pour ça donc que j'ai fait un nu. Alors, je l'ai pré-tracé au graphite à aquarelle. Hein. Je vous explique, le graphite aquarelle, c'est un truc de chez Faber-Castell. J'en ai marre de leur faire de la pub à ces connards-là, vu qu'ils ne m'envoient rien. Et le truc, c'est que ça s'efface très facilement quand vous prenez le HB. Si vous prenez les autres, ça s'efface moins facilement. Donc, je vais prendre le jaune solidage et je vais le mélanger d'abord avec le rose. Là, vous voyez, et je fais ma petite tambouille. Ok? D'abord, c'est aussi simple que ça. Alors là, ça donne rien, c'est trop jaune. Donc, je reprends du rouge jusqu'à trouver. Voilà. Alors là, vous allez dire, mais c'est super rouge. Non, 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 non. S'en fout de ça. Là, le but, c'était de sortir. Et merde, j'avais une couleur que je devais mettre, mais c'est pas grave. Alors, on y va. Il y avait de la lumière ici. Et je vais essayer de pas trop effacer. Voilà. Voilà. Là, on a l'ensemble de la tête. Voilà. Là. On a un. Donc là, vous voyez, je prends l'ensemble de la couleur. Et alors, je vous préviens, là, je ne peux pas vous lire. Donc, si ça prend un peu de temps avant que je vous lise, ne vous inquiétez pas. C'est tout à fait normal. Et pendant que je passe la teinte, voilà. Voilà. Donc je regarde son lumière. Voilà. Je reprends un peu de jaune parce que je commence à devenir trop rouge. Même si le modèle est assez. Voilà. Et j'y vais.
Tiens, je me suis gouré dans les proportions. Bon, ben, c'est pas grave. Je vais arranger ça en cours de route. Vous voyez, comme quoi il faut toujours revoir sa copie il y a plusieurs fois. Je me suis. Et je suis le premier à dire à mes élèves, attention quand vous utilisez une photo, à ne pas vous laisser embarquer. Eh ben, je me suis laissé embarquer. Alors là, vous voyez, donc je retire, parce que j'ai besoin de sortir une lumière. Voilà. Donc là, je travaille sur du Milford. C'est très important. Vous allez comprendre pourquoi après. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le Milford, c'est un papier anglais de très haute qualité et qu'on trouve pareil uniquement chez Aqua et Pinceau. Et je répète, je ne suis pas là pour faire de la pub. C'est juste que les magasins ne savent pas trop où sont les bons trucs. Alors, je vous lis. Oh, elle est bronzée, la dame. Voilà. Elle est du sud. C'est pas une parisienne. C'est malin. Ben oui, à Paris, on est couleur papier aquarelle. Oui. Ça, c'est sûr que. Est-ce que vous êtes même franchement couleur papier aquarelle? Vous n'êtes pas un peu gris à Paris? Bon, je reprends maintenant du rose. Non, du rouge. Et je vais passer avait des parties qui étaient assez rouges. Très chouette mélange de couleurs pour faire la couleur chair. Ben oui, c'est ça qui est franchement impressionnant. Et je vous jure, en plus, vous, hélas, vous êtes sur la caméra. Mais je peux vous assurer, mais à 2000%, que quand vous voyez les trucs en vrai, vous dites, mais putain, mais c'est pas possible. On a franchement l'impression de, une fois que c'est sec, de toucher de la chair, quoi. C'est pour ça que sur le review que j'ai fait sur mon blog, je parle justement que ce truc-là est génial pour faire les aquas, les nus et autres personnages. Je crois que ça, il me semble, Aude, que c'est quelque chose qui doit t'intéresser, ça, parce que. C'était bien toi qui m'avais demandé ou est-ce que c'était quelqu'un d'autre? Peut-être que je suis en train de faire un impair là. Ce n'est pas grave, ce n'est pas mon premier impair. Qu'est-ce que j'ai mis là? Ah oui, c'est de l'orange, oui, c'est ça. Oui, on va reprendre plutôt du rose. Voilà. Alors là, il faut que j'arrête parce que sinon je vais faire une grosse cagade. Et si je fais des cagades? Vous allez dire, oh, il fait des cagades, il fait des cagades, il fait des cagades. Alors, pour les personnes du Nord, les cagades, c'est une grosse merde. Enfin, pas une grosse merde, une petite merde. Une merdouillasse, quoi. Voilà, là, j'essaye de retirer quelques teintes. Voilà. Et je vais la laisser de côté. Elle va sécher tout doucettement pendant ce temps-là. Je reviens sur le truc. Vous vous rendez compte? Vous n'avez pas une aquarelle pour un direct, mais deux aquarelles. En tout cas, elle est bronzée et pas toute jeune et bien en chair. Bien Alicia. Si tu es à Paris, tu as besoin d'un impair. Alors. Donc là, le truc est encore légèrement mouillé et c'est là qu'il faut faire hyper gaffe. Évidemment. Parce que quand vous êtes dans cette zone mi-mouillée, mi-ceci, si vous rajoutez juste une petite goutte d'eau, d'ailleurs, je vais vous le faire, rajoutez juste une petite goutte d'eau, ça va se pousser comme ça, et ça va nous faire des grosses taches blanches. Vous ne la voyez pas? Elle est là. Voilà. Bon, donc,
Oh, ça coule là. Bah, caca. Allez, hop. On retire. Alors, je suis sûr que lui, il va se prendre une goutte quelque part. Donc, je vais le laisser sécher par là. Alors, donc là, j'ai posé déjà un peu mes tons. Tontaine et tonton. Donc, je vais prendre. Alors là, c'est une petite couleur superbe. C'est le brun de noyer, je crois. Je sais plus comment elle appelle ça. Comment elle appelle ça? Brun lac de noyer, voilà. Parce que énorme, ces trucs, c'est beau. Oh, le temps que tu les prononces, tu te dis bon, allez. Voilà. Et avec cette couleur-là, je vais donner des couleurs un peu plus sombres à tout ça. Remarque, je suis bronzé, pas toute jeune, mais pas trop bien en chair, mais rien n'est pas le problème. Ça, tu voulais dire certainement, ce n'est pas vraiment le problème. Alors, donc là, on va commencer à marquer déjà certains trucs. Et faire en sorte de faire ressortir par contraste certaines choses. Bon, allez, Alicia, dis-le carrément, tu veux poser pour moi, ben vas-y. Donc, n'hésite pas, tu peux envoyer toutes tes photos au Alors, voilà, on va faire ressortir par contraste quelques troncs. Voilà. Tu en quelques traits comme ça. Vous voyez, le machin ressort. Tout de go, go. Ça va, je vous ennuie pas trop? Vous étiez en pleine fête des mères, vous étiez peut-être tranquille, vous étiez peut-être peinard. Décontracté du. Voilà. Strange in the night. Oh putain, le bloc qui chante. Là, je vais reprendre du karma. Voilà. Et ce karma, je vais le mélanger avec mon indigo. Donc j'essaie quand même de travailler prioritairement avec de la lutéa. Tata. Pourquoi tata? Je ne sais pas, mais tata. Et pareil. On fait comme s'il y avait des ombres violettes. Voilà. Je commence à faire déjà les ombres. Du reste. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, Milulu, Milulut? N'hésitez pas. On reprend du rouge carmin. Et on en met un peu dans le lointain. Lointain. Je n'ai pas vu, hein. Je n'ai pris qu'un café, hein. Je vous rassure. Je ne suis pas sous alcool. Non, parce que je sais que vous allez dire, ça y est, il est encore bourré. Il est en train de faire un truc, là. Oh là 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 là. Je vais vous lire. Vous pouvez écrire, hein. Je vous lirai après. Je fais le temps. Que je fasse mon truc parce qu'on ne peut pas lire et tout faire en même temps. Nous ne sommes pas que des machines. Je sais plus qui c'est, dans quelle série c'était ça. Voilà, je rajoute encore un peu de bleu et voilà. La lumière venant comme ça, donc on va y penser. Là, on va faire ressortir les touffes
devant. Alors, je lis. Non, ça. C'est une remarque, je suis bon, tout jeune. Fabien, coucou Manu, décidément, tu fais des directs à chaque fois que je bosse. Ah, je suis désolé, Fabienne. Bah, c'est pour éviter que tu t'emmerdes pendant que tu bosses. D'ailleurs, j'espère que s'il y en a d'autres qui bossent et qui me regardent, eh ben, j'espère que ça leur change un peu les idées. Là, je prends quand même un peu de bleu de chez Damisa. Voilà. Alors, pour ceux qui ne suivent pas Damisa, c'est Isaro de la main nue box. Qui c'est qui a crié? Hein, voilà. Je peux les présenter en même temps que la Lutéa, puisqu'elles sont amies. Et je ne sais pas si vous voyez bien. Ça vous rappelle pas quelque chose? Voilà. En fait, c'est. Ils s'entraident pour faire les tubes. Voilà. Donc, c'est pour ça que je me permets aussi de faire un petit coucou à Damisa. Alors. Voilà. Alors, ce qui est chouette quand même, c'est que j'aime bien travailler avec les LUTA quand vous avez envie de faire franchement quelque chose de différent. C'est ça l'intérêt. Alors là, ce n'est pas Super Bros, c'est Super Super Bros. Hein. C'est là, je sors le gros calibre. Hein? Toujours chercher le gros calibre. Oh, qu'est-ce que tu sors? Le gros calibre. Voilà. On va tapoter un peu. Voilà. Voilà, là aussi, je vais tapoter un peu. Alors, j'aurais très bien pu utiliser le Ron Ronson. Allez, je vais faire un peu de Ron Ronson, puisque vous aimez ça. J'ai vu ça que vous êtes. Mais j'en prends juste un tout petit peu. Et moi, ce que je fais, j'écarte les poils. Oh, j'adore écarter les poils. Oh oui. Allez, on y va. Et il n'y a plus qu'à. Et ça marche tout aussi bien. Mais je préfère quand même ma super brosse. Parce qu'après tout. Mais si vous voulez des choses plus délicates, j'avoue. Je dis bien, j'avoue que la Ron Ronson est sympa pour les choses plus délicates. Mais vu que j'ai une délicatesse, donc voilà. Alors, je reprends un peu de jaune solidage et j'en mets sur les bleus qui sont trop bleus. Et regardez, nous avons des beaux verts. Oh, c'est beau, des beaux verts. Voilà. Et pas des beauvais. Sinon, il y aurait eu quelques poils dans mon truc. Surtout des poils de moustache. Voilà. On va remettre un peu de jaune tuilage. Un peu d'autres verts. Voilà. Voilà. Donc, j'avoue aussi que quand on utilise les couleurs LUTA, on est beaucoup plus proche de quelque chose de, comment dire, ouais, naturel, un truc tout à fait naturel. Voilà. Donc, voilà, là j'ai posé tout mon truc. Ce que je vais faire, je vais attendre qu'elle se repose tout doucement. Hein.
Et je vais retrouver le nu qui m'attend et qui me dit « Allez, viens, petit, on va faire un petit tour. » Ça donne quand même pas mal à la caméra, hein, ma vidéo. Alors, on y va. Le mec qui s'auto-félicite. Ah ben, écoutez, hein, il n'y a pas de saut métier. Hein. Allez, on reprend le petit perso. Alors, vu que la demoiselle est blonde, on va reprendre du jaune. Et on va lui mettre... Alors, il y a de la lumière par ici, il y a de la lumière par là. Il y a de la lumière par ici. Voilà. Pourquoi vous ne dites plus rien, les loulous? Ah, parce que j'ai tendance à pas vous répondre, ou c'est parce que vous ne savez plus quoi dire devant tant de beauté? Alors, là, je reprends plutôt le rouge. Voilà. Et je vais m'en servir donc pour faire plutôt les ombres. Et je ne sais pas si vous voyez. Donc, comme j'ai utilisé du crayon, ben le crayonné s'efface en même temps que je passe les teintes. Oui, c'est moi qui fais aussi la musique. J'ai pas de super truc là. Je sais pas comment il fait le perpat lui avec ses engins. Moi, quand j'ai fait le truc, ça m'a fait boum. Qui ont pas voulu. Puis après, ça m'a tellement gonflé que j'ai laissé tomber. Maintenant, autrefois, quand je ne comprenais pas, j'essayais de comprendre. Maintenant, quand ça veut pas, je me dis, allez hop, not to do. Voilà. Je cherche une ombre, là il y en a. Là il y en a, là il y en a. Et pas Diana. Hein. Tout le monde était content pour le mariage. Vous avez bien regardé ça. C'était chouette pour vous. Alors, je vais aller voir ce que vous faites. Si vous m'avez écrit quelque chose dans peu de temps. Pour l'instant, vous savez, l'aquarelle, c'est quelque chose qui n'attend pas. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que quand vous travaillez avec du Milford, avec ces couleurs-là, eh ben, les effets de chou-fleur, c'est quasiment zéro. Et ça, comme dirait l'autre, là, Gominé, il s'agit. Je vous dis pas, les voisins, quand je dois faire les directs, ils doivent dire, putain, mais qu'est-ce qu'il fait encore, lui? Oui, j'ai des voisins. Tiens, en fait, c'était pas la fête des voisins. Bonne fête, les voisins. Hop. Oh, j'ai une grosse tache, là. Grosse tache, pistache. Allez, hop, on y va. Voilà. Et... Bon bah tant pis, hein, elle aura des grands pieds, mais c'est pas très grave. Et maintenant, je reprends avec le pinceau, je la retourne, ce sera plus simple pour moi. Voilà, voilà. Voilà.
Allez. Allez, chat. On va laisser l'eau travailler pour moi parce que je suis une grosse feignasse. Et puis c'est comme ça, voilà. Allez, au revoir. Non, je vous fais quand même un topo. Voilà. Hop, comme elle est encore blonde, on va peut-être toucher. Alors, évidemment, je fous mon pinceau dans le truc. Alors, je prends un pinceau plus fin. Manu, tu n'es qu'un gros cochon. Et je prends l'orange qui a volé l'orange. C'est pas moi, monsieur, c'est pas moi. C'était qui? Ah oui, c'était le Queenie qui faisait le truc. C'est pas moi, c'est pas moi. Hop. Voilà. 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 On n'y touche plus. On laisse sécher. Et je vais vous lire avant de repasser à ce truc-là, parce que vous allez dire, putain, ça fait 10 heures qu'on écrit un truc et tu nous lis pas. Alors, oh ben vous n'avez quasiment pas écrit. Oui, c'est sûr, c'est top pour nous. On admire. Tu lui fais un bronzage de camionneur, c'est chouette. Merci, Valou. Au moins, j'ai quelqu'un qui m'écrit. Alors, bon, là, le problème, c'est que c'est pas sec. Je travaille plus vite que la couleur. C'est pour vous dire le temps de merde que nous pouvons avoir. Et donc, je vous offre 2 minutes pour aller faire un petit pipi. Pourquoi? Parce que je vais faire ça. Qui a volé l'orange? C'est pas moi, monsieur, c'est pas moi. Qui a volé le Schwarzkopf? C'est pas moi, monsieur, c'est pas moi. J'essaye de meubler. Si vous avez des questions, profitez-en pendant ce moment-là. Comme ça, au moins, ça rend le moment utile. Ça évite de faire un blanc. J'aime bien les couleurs, elles sont très délicates. Elles sont très 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 délicates. Et c'est ça justement qui est vachement bien. Je viens de découvrir qu'il y avait une position intermédiaire sur mon sèche-cheveux. Ah, superviseur informatique de Paris, hello! Hello de lui! C'est du Fabriano. C'est quoi? C'est du 50%, c'est du Fabriano 5. Eh ben, qu'est-ce qu'il boit, hein? Tout ce qu'il boit, j'aimerais pas le remonter à vélo, hein? Enfin, tout ce qu'il descend. Voilà, vous voyez, c'est... Comme j'ai vu du carmin dans la gamme qui n'est pas végétale. Oui, c'est vrai, c'est du carmin de cochenille. Tu as tout à fait raison, et bravo Domino 849, tu as tout à fait raison sur ce point-là. C'est juste que, tu vois, comme on dit, c'est la pub qui m'est rentrée dans la tête, parce qu'elle n'arrête pas de marquer couleur végétale, et tu as tout à fait raison, puisque la cochenille, c'est une petite bestiole.
Mais tu as tout à fait raison. On va dire naturel. Couleur naturelle. Je suis pas comme le regrettait Pierre Belmar qui pouvait te vendre n'importe quoi. Je suis pas un très bon commercial, moi. Si j'étais, je serais super riche actuellement. Ça y est, c'est sec. Ah, ça fait du bien hein, quand ça s'arrête. Hein. Vous dites, on préfère ça que t'entendre chanter, je parie. Alors, Jean-Pierre. Salut Manu, les couleurs ont l'air doux sur ton paysage, mais le prix fait peur. En tout cas, pour moi, mon choix est fait maintenant. J'adore l'Isaro, c'est très bien. D'ailleurs, j'y retourne, je venais de m'installer pour ma séance d'aquarelle le dimanche, lorsque j'ai eu la notification du direct à Peluche. À Peluche, JP, j'espère que tout va bien pour toi. Alors, il est temps de mettre le doigt dedans et faut espérer que ça parte parce que ça fait un bout de temps que je l'ai. Ah, j'ai le doigt qui brûle. Alors, je vais vous expliquer, ça c'est du drawing gum, mais du drawing gum made in Manu. Alors, j'explique. Je vous raconte quand même toutes mes petites astuces, au moins comme ça. Ça, c'est l'aquarelle de chez Schmink. Et l'aquarelle de chez Schmink, elle est super chouette parce que elle a tendance à faire des trucs et elle ne s'incruste pas comme la Sennelier, par exemple. Et ah, que ça a fait mal aux doigts! Et donc, aquarelle de chez Schmink, elle a mon machin, là, qui, c'était des trucs qu'il m'avait envoyé, avait complètement, il m'en restait quasiment plus, vous savez, séché. J'ai pris de l'eau distillée, j'ai dévissé le truc, j'ai mis un peu d'eau distillée, je l'ai bien secoué, mais alors quand je dis secoué, c'est même pas secoué, mais secoué en tout cas, et je peux vous assurer qu'après, j'ai eu une espèce de liquide qui était particulièrement sympa. C'est chaud, ça fait mal. C'est particulièrement sympa. Je vous fais pas un doigt d'honneur. Hein. C'est juste parce que j'ai trop mal au index. Et j'avoue que... Oh, je vais laisser tiens, quelques traces comme ça. Ça va faire sympa pour la suite. Et je peux vous assurer que je trouve même que... Le drawing gum marche mieux comme ça que au naturel. Comme quoi, il faut pas jeter quand on arrive au bout. Pour lui faire ressortir le pouvoir collant. Change de doigt, oui. Alors, Domino, c'est bien que tu m'écrives tout ça. Moi, ça, c'est des choses que je suis pas... Moi, je vais être très clair. Je suis pas chimiste, je suis pas tout ce que tu veux. Et Anne-Sylvie, ne m'en a absolument pas parlé. Anne-Sylvie, c'est la personne qui produit ces choses-là. Donc, mais pourquoi pas? C'est très bien que tu en parles. Et j'espère que si Anne-Sylvie regarde cette vidéo, ben puisse te commenter dans les commentaires ce que tu avances et qu'elle explique aussi. Moi, c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est juste de vous montrer, en tout cas, l'aquarelle et son utilisation. Ah.
Voilà. Bon, ça c'est fait. Donc là j'ai laissé quelques morceaux. Je vais utiliser un peu le bout de mon ongle pour marquer certaines parties. Voilà. Vous allez voir pourquoi je fais ça. Ok. Ah, c'était Aude. Oui, c'est vrai. Pardon, j'ai dit domino. Non, c'est Aude. Mais n'hésitez pas. Hein, moi, je... Mettez les trucs. De toute façon, moi, je laisse la, toutes les conversations sur le truc. Donc, à moins qu'il y ait un... Alors, on y va. Alors, on va déjà travailler les rochers. On prend le brun noyer avec un peu de bleu et je vais prendre une pointe de jaune solid age. Je vais prendre un peu tout d'ailleurs pour trouver une espèce de couleur improbable mais qui me plaira bien. Donc là, la lumière vient par ici. Toujours faire bien le geste. Tout simplement pour bien vous repérer. Excusez-moi, c'est mes cheveux que vous venez d'entendre taper contre le micro. Et là, vous venez d'entendre ma cafetière en train de se remettre d'aplomb. Remettre un peu de bleu quand même. Voilà. On va prendre une pointe de rouge. Voilà. On s'en fout de ça. Voilà. Je reprends du de l'indigo avec. Voilà. On va essayer d'effacer les marques. Parce que ça, c'est super chiant avec le drawing gum. D'effacer les marques. D'effacer les traces. Commandant, est-ce que vous avez laissé des traces? Mais non! Je vous jure que j'ai tapé cet étudiant. Voilà. À Paris, il n'y a pas un peu trop de un peu beaucoup de grève, non? Moi, je dis comme ça. Non, je pense, c'est juste pour emmerder les nos amis parisiens, n'est-ce pas, Valou? Voilà. Allez, maintenant je reprends du bleu et je vais faire ressortir certains arbres. Plus que d'autres en arrière-plan, des choses que j'ai déjà faites. Voilà, on verra après pour la suite. Merci, Manu. Ça va mieux, surtout madame. Et puis les vacances approchent, pas très loin de chez toi, d'accord. Et ben, c'est une bonne nouvelle, JP. Alors les gens doivent se dire, mais de quoi il parle? C'est juste que avec JP et un de mes loulous, et bon, il y a des choses qui sont compliquées, on va dire, mais a priori ça va mieux, c'est déjà une bonne nouvelle.
On fait encore des traces. Le truc, c'est surtout de faire maximum de traces. Absolument pas, je vais au boulot à pied. Tout pour me contrarier, hein, Valou, mais tout, tu feras tout, hein. C'est, tu t'es dit, tiens, aujourd'hui, j'ai personne à emmerder, j'ai emmerdé le Manu. Et ben voilà, t'as bien réussi. Donc, je vais reprendre le noyer. Et il est où l'orange? Il est là. Je vais le mélanger à l'orange. On va essayer quand même d'utiliser un peu plus la pointe, la manu, parce que tu travailles comme un cochon. Voilà. Prendre un peu de rouge. On va prendre un peu d'orange. Faire une teinte un peu plus marronasse. Pas moi qui chante. Enfin, je sais pas si vous l'entendez. Je fais plus la musique quand je suis dans un truc plus concentré. Concentré de... Je parie tout ce que vous avez dit, tomate. Si vous avez dit les concentrés, alors là, c'est que vous êtes en plein régression. C'est un peu vrai. Marie. Hello Manu, j'arrive un peu tard, mais j'arrive. C'est très bien. Bonjour à tous, Popousse. Alors, je reprends de l'orange. Je me souviens plus qu'est-ce que c'était cette couleur-là. Qui c'est qui a suivi? Ah oui, c'est l'orange de thym, ça. Oui, c'est bien. Donc, on va prendre de l'orange de thym. Bon, vous voyez que l'orange n'est pas franchement de l'orange. Hein. Bah, super informatique de Paris, là, tu nous dis déjà hello, tu nous redis salut, mais salut! On va pas te le dire 40 000 fois. Bon, tu veux qu'on te le redise une nouvelle fois? Salut! Salut, supervision informatique de Paris! Il est comment le petit Da Vinci près du 1535 numéro 5? Ça c'est le numéro 5, ça c'est le numéro 7, ça c'est le numéro 2. Mais tu dois bien le savoir puisque tu en as un Valou. Je sais tout de toi. Je te surveille. N'oublie jamais. S'il y a quelqu'un derrière toi, c'est moi. C'est là. Qu'un jour, on va voir Manu enfermé pour avoir stalké une louloute, une de ses élèves. Voilà. Alors je fais des marques en bas, ne vous inquiétez pas pourquoi, je pense que vous avez très bien compris pourquoi. Voilà. Bon, tout ça, c'est un peu. Je vais donner le bonjour au nouveau peau douce. Ah, d'accord, ok. Béatrice, bonjour Manu, je viens juste d'arriver. Bah alors, c'est maintenant que tu arrives. Je n'ai pas de numéro 2, mais un numéro 3. Ah, oui.
Alors, en fait, là, elle arrête pas de me chercher, là, la Vodou, parce que c'est juste parce que dans un truc, j'ai dit une bêtise à un moment donné, parce que j'ai confondu le 15-03 et le 15-35. Maintenant, elle n'arrête pas de me le rappeler. T'inquiète pas, t'inquiète pas. N'oublie pas que tout se paye un jour. Tout. Alors, là, je mélange le jaune solidage avec l'orange. Voilà. Donc, je teinte le papier. Voilà. Et tout de suite, je reprends un truc. Alors là, pour une fois, c'est pas le 916, hein, c'est un Tintoretto synthétique. Parce que tout le monde me dit, oui, mais les petites bêtes, etc. D'accord. Donc, au moins, voyez, j'essaye de faire plaisir à tout le monde. C'est pas facile. Voilà. Voilà. Je tremble, j'arrête. D'accord. Tu peux trembler, carcasse. Bon, mais les autres, hein, c'est pas parce que Valou monopolise la conversation qu'il faut que vous ne disiez rien. Hein. Donc là, je reprends, je vais mélanger un orange avec. Voilà. Je reprends. Maintenant, pour pas que la couleur soit trop identique, je reprends donc mon synthético. Voilà. Voilà. Et qui reçoit toute la lumière. Et la lumière fut. Voilà. Ok, donc là, on a le truc qui sèche. Nouveau dans l'aquarelle, nouveau dans l'aquarelle technique que j'affectionne particulièrement, seulement le prix des pinceaux est hallucinant. Oui, c'est vrai. Y a-t-il des choses impossibles à faire avec des pinceaux synthétiques? Ainsi que celui des feuilles. Alors, peau douce, on en parlera après. Je vais répondre déjà domino. Alors, est-ce qu'il y a des choses impossibles à faire en synthétique? Oui, quand le pinceau synthétique a décidé de faire la fameuse Comal 2. Alors, vous ne savez pas. Les couleurs sont très belles et douces. As-tu déjà parlé du prix? Si oui, je verrai le début de ta vidéo, Marie. Alors, Marie, oui, j'en ai vaguement parlé. Jusqu'au, je crois, 1er juin, quelque chose comme ça. Tu as 20% de réduction chez Aquarelle et Pinceau. Donc, ça fait déjà un tout petit peu moins cher le tube. Et sinon, bah, vaut mieux choisir que certaines, essayer de se limiter à deux ou trois couleurs éventuellement pour faire un premier essai. Sur mon site mesaquarelles.com blog, je dis bien blog, vous cliquez, il y a un article dessus et je vous donne à peu près certaines références. Pour les pinceaux synthétiques, donc je te parlais de la fameuse Camel 2 avant de revenir sur le nu. Alors, comment vous expliquer ça? C'est dommage parce que
Tu m'aurais dit ça plus tôt, j'aurais pu aller te chercher un exemple hyper concret, mais là je ne peux pas t'en montrer un, j'en ai pas un à côté de moi. En fait, je vais prendre ce gros pinceau. Quand je dis camelto, c'est-à-dire les poils font deux blocs comme ça et ça fait une espèce de grosse fente comme ça. Et donc du coup, une fois que ça a pris ce pli-là, tu ne peux plus rien faire. C'est-à-dire le truc, il est marqué à vie. Donc moi j'ai deux ou trois pinceaux synthétiques comme ça que j'ai utilisés. Merde, je me suis foutu un poil dans le doigt. Et le souci, ben, c'est vrai que je ne peux plus rien en faire, tout simplement. Donc c'est un peu dommage. Mais il y a certains pinceaux synthétiques qui, eux, ne le font pas. Alors, dites voir les enfants, il est temps, hein. Ça coûte pas cher, par contre, peau douce. Alors, donc, il est temps de prendre Super Brosse et on va prendre le restant de d'indigo et on va calculer. Vous voyez, moi je préfère quand même. J'aime le cri des Super Brosses. Je pense que vous l'entendez comme moi. Voilà. On va reprendre un peu de jaune solidage. Donner quand même quelques brins de lumière ici et là. Et je crois même que je vais reprendre du vert clair. Là, je me suis bien enfoncé là. Pour une fois que je retire mon poil dans la main et je me le fous dans le doigt. Allez. Je me suis aperçu que j'avais ce tic de dire allez. Heureusement qu'il y ait des espèces d'individus nommés Loulou qui s'en aient pas aperçu, sinon j'en aurais entendu parler. Franchement. Voilà. 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 Ok. Une mouille. Et ah oui, c'est vrai, j'avais une question. Franchement, allez, c'est pas grave. Oui, c'est ça. Je pense que vous devinez qui sont mes élèves. Alors. Peau douce, oui, les prix des aquarelles, les prix quand on veut faire de l'aquarelle, c'est pas donné. Ça, je te l'accorde à 2000%. Le seul truc, tout ça dépend si tu es totalement novice ou pas. Si tu es totalement novice, moi, je te dis tout de suite, pour faire quelques petits exercices, etc. T'as pas besoin d'acheter des trucs des 1000 et des 100. Tu peux te contenter des trucs pas trop chers ici et là. Et on trouve des trucs pas trop chers. Hein. Autrefois, on trouvait des trucs tout le temps chers. Maintenant, je vais le dire autrement. Je trouve que l'aquarelle s'est bien démocratisée. On trouve des choses de qualité pour. Pas trop cher, voilà. Donc, franchement, pas fait attention. Heinrich Valoche. Faut pas trop l'embêter, sinon vendredi, il va se venger. Ouais, là, j'en ai déjà trois qui vont s'en prendre plein dans la tronche. Et donc, mais, je t'avoue, attends, là, je prends un peu de marron, voilà.
Mais je t'avoue que c'est vrai que pour l'instant, niveau, si tu veux taper dans dans la gamme supérieure, c'est vrai qu'il vaut mieux bien investir que mal investir. C'est bien pour ça que je fais des tests, que je vous en parle, que je vous dis, tiens, ça, j'ai essayé. C'est vachement mieux que ça. Et surtout, je ne vais pas me faire des copains là, dans ce que je vais dire. Mais il y a beaucoup, vous allez rencontrer des aquarellistes qui vont dire, ah oui, mais moi, je ne marche qu'avec ça. Je ne marche qu'avec ça. Le problème, c'est que ces personnes-là, il y en a certains qui ont essayé peut-être certaines choses, mais il y en a d'autres qui n'ont pas essayé comme moi j'ai pu essayer. Alors là, vous voyez, j'utilise la pointe de la pour faire ressortir avec l'indigo quelques traits de machin. Je reprends du jaune. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ces personnes-là, quand comme ils ont essayé que deux ou trois marques, ils se disent, bon, ben voilà, j'ai fait le tour, puis ça va, puis de temps en temps, quand ils entendent parler d'un truc, bon, ben ils essayent, mais... Mais quand tu essayes franchement plusieurs, pas une ou deux ou cinq marques, mais quand on en essaye 10, 15, 20 comme moi, je peux te dire que tu vois tout de suite les différences. Et là, c'est flagrant, c'est... Tu te dis, mais merde, ah ouais, quand même. Et je pense, vu que là, j'ai quand même pas mal d'élèves sur dans le chat, ils ont essayé, par exemple, le fameux 1535. Je pense qu'il n'y en a aucune qui regrette leur achat actuellement. Donc après c'est voilà c'est un choix c'est un investissement c'est sûr que 10 15 50 balles un pinceau tout le monde ne peut pas mettre 50 balles dans un pinceau mais ces 50 balles si tu en prends un seul ben lui ben voilà il vaut 40 et quelques euros. Ben lui, tu peux mettre au moins 3 ou 4 pinceaux. Et les 3 ou 4 pinceaux que tu aurais achetés, ben, ça fait la quasiment totalité de celui-là. Bon, il faut que j'aille plus vite parce que là, j'ai encore un nœud à faire. Mais c'est un choix, peau douce. C'est un choix. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous m'écrivez? Faut pas. Ok, non, non, tu as un passif toi aussi, je te rappelle. Bonjour, j'arrive un peu tard, mais vaut mieux. Bonjour Manu, à tous. Bonjour Marcel. Bonjour Patrick. Non, non, je n'avais pas mon 1535, mais j'aime aussi les Tintoretto. C'est vrai qu'ils sont très bien, les Tintoretto. Ils sont pas très chers et ils valent le coup. Alors, Patrick, comme j'ai dit au début, hein, je m'excuse un peu. Je te prie de m'excuser, c'est plus français. J'ai commencé pendant que toi, tu es en plein milieu de ton direct. Mais comme j'avais promis du truc et comme on n'est pas sur le même. Machin. Et comme j'ai dit, de toute façon, il y a les replays pour l'un comme pour l'autre. Donc là, je mélange. Alors là, je parle d'une couleur qui est pas très loin de chez toi. C'est de la lutéa, parce que c'est de la couleur belge fait. Donc.
Qu'est-ce que vous m'écrivez? Pas grave du tout, Manu. Merci, Patrick. Je te prie de bien vouloir me pardonner. Oui, c'est vrai. Je taquine. J'adore ça. D'accord. C'est vrai, un 4,35 dans la poche et tu fais tout. Bon, trois pinceaux, SB et le 916. Des Olivier? Non, des Marcel. Je suis désolé, t'es très nul, celle-là. Non, pas du tout. C'est d'imagination. C'est un. C'est un espèce de souvenir que j'ai eu de Corse. En fait, on était parti se balader. Et en Corse, pour fermer les propriétés, souvent, parce qu'il y a des. Comment on appelle ça? Des vaches en divagation. Et autres chèvres, eh ben, ils mettent des espèces de trucs comme ça, des vieux paletots qui ferment l'ensemble. Et voilà, quoi. Donc ça me. Et j'avoue que comme j'ai vu il y a quelques temps de ça, des reportages sur la Corse. Ah ben, il y en a un même qui est passé hier, je crois. Oui, c'était hier. Donc, ça me rappelait tout ça, quoi. On ne quitte pas un pays qu'on a aimé. Moi, en tout cas, je l'ai dans la peau. Et ça, les Parisiens, ils peuvent pas savoir ce que c'est. Et paf, celle-là a été pour toi. Hein, Malou? Bon, là, je fais du n'importe quoi, hein, je vous le dis tout de suite. Mais c'est juste pour pas perdre de temps, j'en ai encore un autre à faire. Allez, on y va. C'est bien que tu aies fait un truc sur la Ron Ronson, Patrick. J'ai vite vu ça. Pendant que j'étais en train de me préparer. C'est vrai que elle est quand même pas très. Faut franchement la manipuler souvent pour. Arriver à en faire ce qu'on a envie. Par contre, au niveau prix, Patrick, bon, tu dis sur Amazon, moi je l'ai trouvé sur Rakuten Price Minister, j'ai trouvé à 7€ et venant du même endroit. Vu que c'est de chez Jackson, donc voilà, c'était. Les petits conseils d'achat. Donc, je joue avec pinceau. Voilà. Un peu de bleu d'indigo pour faire passer quelques ombres dans les branches. Voilà. Je reprends l'orange de teint. Qu'est-ce que vous m'avez écrit? Marcel, super tête aquarelle, j'aime ces couleurs. Mais avec trois pinceaux, on part les gens en balade, tout à fait. 7 et 1 sont des anciennes campagnes, voire encore habitants. Ah, merci. Bon, on va arrêter la guerre entre Parisiens et. Et si on parlait des Luxembourgeois, hein? Alors, hein? Voilà. Alors, au départ, j'avais prévu de laisser les troncs blancs. Mais comme les
J'avais fait trop gros les trucs, bon. Mais vous pouvez très bien les laisser être blancs. On critique, mais... Je vais remettre une petite touche de rougeâtre. Il va falloir d'ailleurs que j'en reprenne pour le nu. Voilà. Et parce que j'en fais deux en même temps, Patrick, comme t'as pas suivi, tu... Il faut que je le fasse. C'est maintenant que tu arrives, Patrick. Putain, qu'est-ce qu'on doit te faire chier avec maintenant. Bon, allez, je vais laisser sécher et je le finirai après. Ça donne quoi en... Oui, bon, ça le fait, oui, oh. C'est pas du grand manu, mais c'est déjà ça. Allez, on y va dans le nu maintenant. Oui, parce que je fais un nu en même temps, Patrick. Alors, je suis en mode lac de garance. Non. Rose de garance. Oui. J'ai besoin d'une toute petite choupinette. Voilà. Allez, on y va. Je reprends mon pinceau tout fin. Et vous avez encore entendu le bruit de mes cheveux sur le micro. Alors, ce qui est intéressant aussi avec les teintes, comme c'est pas des teintes... j'aime beaucoup ce que vous faites. Pensez-vous venir au Québec un de ces jours? Ben, s'il y a un tunnel entre Paris, ou plutôt entre la Bretagne et le Québec, oui. Ou sinon... Si je prends le bateau, oui. Oui, j'ai peur de l'avion. J'avoue. Alors, on va faire les lèvres. Alors, vous m'excuserez si je suis silencieux et si je concentre, mais d'habitude, je suis beaucoup plus près. Et vous savez quoi? Si je changeais de lunettes, ce serait vachement mieux. Manu, tu es un espèce d'abruti. T'as des nouvelles lunettes. Oui, je m'engueule aussi. Ça fait combien de temps qu'on est en direct? 1h23. Oh, bon, ça va. Ah ben, je vois mieux quand même. Eh oui, vous avez le mec le plus con de la Terre. Voilà. Ok. Donc ça c'est fait, on va retirer un peu de lieu. Mais vous savez, le Québec peut venir aussi en France. Hein. J'en connais qui ne demanderaient pas mieux que ça. N'est-ce pas, Valou? T'en connais aussi. Hein. Voilà. Je lui fais d'ailleurs un petit coucou. Et on reprend un peu d'oranger avec du carmin. On mélange un peu tout ça. Ouais, ça doit aller. On va foncer un tout petit peu. Voilà, cette partie-là. On va mettre ici. Alors, il faut que je revoie la plateau. Quel pit ce Manu. Oui, il vient d'enlever ses lunettes de soleil. Bah, tu sais que tout à l'heure, j'ai failli travailler avec, Valou. Tu dis ça pour déconner, mais j'ai failli travailler avec parce que, pour tout te dire, je me paye la lumière, le spot, dans la tronche depuis tout à l'heure. Et je t'avoue que je vais avoir les yeux éclatés une fois que j'aurai fini cette vidéo. Mais profitez-en bien, puisque logiquement, ce sera la dernière. De ce style. Donc.
Ça, c'était une promesse que j'avais faite à quelqu'un. Donc, j'ai l'habitude de tenir mes promesses. Alors, là, il y a une putain d'ombre ici qui fait clac, clac, clac. Tac. Je vous lirai plus tard, hein, mes loulous et louloutes. Ne vous inquiétez pas. C'est juste que là, j'essaye d'aller le plus vite possible pour pas vous lasser quand même. Parce que lasser, je suis infidèle. Celle-là, je l'assume pas. Et tu es franchement nul. Et maintenant, on prend le rouge. Voilà. Voilà. Tac. Tac, tac. Tac, 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 tac. Voilà. Alors maintenant qu'on a marqué, on y va tout doucement. Voilà. Voilà. On va jouer un tout petit peu rouge. Hop. On va y marquer légèrement comme ça. On reprend un peu d'eau. Vous voyez, le travail est franchement très facile avec le Milford plus la UTA, c'est vraiment, franchement le top top. Voilà. J'avoue que le pour l'avoir testé, c'est un papier, c'est franchement une couleur qui réclame le meilleur, quoi. C'est pas, vous pouvez évidemment travailler avec des comment ça s'appelle, avec des petits papiers, mais vous n'aurez absolument pas le même rendu avec un papier, on va dire plus ou moins de bas de gamme, comparé à un papier plus haut de gamme. Un tout petit peu les contrastes. Je vais prendre une pointe de bleu. Voilà. Et on y va. Là, j'ai une couleur, je sais pas si vous voyez, c'est super joli. Voilà. Là, par contre, je sais pas qu'est-ce que j'ai. Ça doit être des morceaux de quelque chose, mais de quoi, je ne sais pas. Voilà. On prend une choupinette de bleu. Voilà. 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 Et je reprends. J'ai plus de carmin. Oh bah si, j'ai du carmin là. C'est, voilà. On va mélanger un peu les couleurs. Vous voyez, on arrive à ça. Voilà. Ok. On reprend un peu de carmin et on va sur les lèvres. Voilà. Hop,
trop y toucher. Ok. Alors, je vais vous lire en attendant que ça sèche 30 secondes. Comment ça la dernière? Ben, tout simplement parce que ça fait quand même un petit bout de temps que je vous dis que c'est pas le tout de faire des vidéos, il faut aussi pouvoir vivre. Et hélas, alors c'est pas ton cas, Valou, c'est pas le cas aussi de certaines personnes qui m'entendent là et que je ne nommerai pas, mais je les remercie. Mais c'est vrai que sans Z, parce que moi c'est pas comme Patrick, lui il a on va dire un taf plus régulier. Moi c'est mon truc, donc je sais pas le tout de vous faire des vidéos en direct. C'est aussi que j'arrive à croûter et arrêter par exemple certaines choses, donc comme le bon, j'ai pas envie de trop de raconter ma vie, mais voilà ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, s'il n'y a pas d'aide ou de don ou autre, ben on en arrive à ça quoi. Donc oui. Ce sera donc certainement la dernière, à moins qu'il y ait un miracle. Mais comme ça fait plusieurs fois que je vous le signale et que je vois rien venir, à part certaines personnes. Donc voilà, c'est tout. Allez, on y va. Hop. Je marque un tout petit peu plus certains contrastes. Tac, 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 tac. Et vous pouvez pas dire que je vous ai pas prévenu. Je vous prenne au dépourvu, que ça fait quand même un bout de temps que je vous en parle. Mais c'est pas très grave. C'est... Il y a plein de personnes qui font des vidéos. Et sans parler de Patrick, voilà. Je vais remettre un petit coup de rouge. Ça c'est pour toi, Valou. T'aimes bien le rouge. Enfin, je crois. Je sais pas. Voilà. Mettre aussi un petit coup de rouge ici pour faire l'épaisseur des seins. Voilà. Voilà. Alors, ça, sérieusement, si vous voyez ça, j'ai mis là, on toucherait, mais quasiment quoi. C'est incroyable la sensibilité de cette couleur au niveau des nues. Je vous lis pendant que ça sèche. Tu vas travailler dans quel secteur du coup? Ah mais moi je continue, hein. Je continue mes aquarelles, mais ça sera sur des choses, ben,
plutôt pour les personnes qui ont envie de dépenser 3 sous, hein, c'est tout. Privilégier certaines personnes. C'est un peu dommage, hein, c'est parce que je suis le premier à défendre le comment ça s'appelle le côté freeware, si on peut dire, des choses, mais à un moment donné, bon, quand il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de miracle, hein. Donc là, je vais utiliser juste deux couleurs, le carmin et le bleu. Pourquoi ? Parce que toutes les autres couleurs auraient trop rappelé la couleur de la chair. Léger, Manu, léger. On est léger. Donc le but, c'est de faire ressortir les lumières ici et effacer éventuellement les traits de crayon. Hein. Donc là, quand même y mettre les doigts, c'est bon. Et là, voilà. C'est très 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 important. Vous pouvez faire des nus avec juste comment ça s'appelle, avec des coups de crayon, mais à l'aquarelle, c'est vrai que de temps en temps, sans le sans le crayon, ça fait quand même plus chouette. Alors là, je vais essayer de faire ressortir le genou. Là, c'est pareil. Je vais pas mettre du fond partout, hein. C'est le truc, c'est surtout de faire ressortir la lumière. Voilà. On va ressortir un aspect de bleu comme ça derrière. Voilà. Là, c'est un peu foncé. Oh non, on n'y met pas parce que ça va. On va garder surtout l'idée de lumière ici. Voilà. J'aimerais bien avoir un peu plus de carmin. Voilà. Voilà. Je vais mettre une choupinette de bleu. Oh putain, j'ai fait une grosse tache. Manu, t'es un gros dégueulasse, oui. Voilà. Donc hyper léger quand même. Qui est juste une choupinette de bleu quelque part. Là, je vais passer un coup d'eau pour retirer l'espèce de tache qu'il y avait. Là, je joue avec la granulation du papier. Même mettre une petite pointe, voilà, comme ça. Je vais essayer de retourner de nouveau le truc et de mettre un tout petit peu plus de bleu là, qui ça fasse bien ressortir la lumière. On va attendre que ça sèche, on va finir l'autre. Donc je vous le montre, hein, quand même. Alors le problème, c'est que sous la lumière, le spot qui grille tout, ça fait pas très joli, et en plus c'est mouillé. Alors je vous lis avant de faire le final de celui-là. Libre de l'information ou apprentissage. Après, normal, faut aussi que tu t'y retrouves. Oui, ben tout à fait, pour que je m'y retrouve, comme tu dis. Alors,
On espère que c'est sec. C'est sec. Eh ben c'est bien. Allez, hop. A priori, j'ai le majeur qui est beaucoup plus sensible que l'index. Ça me rappelle une blague. Est-ce que vous voulez une blague hyper cochonne? Manu, tu peux t'inscrire sur Patreon. Non. Toi qui vis de ton travail et dans l'âge, il est plus qu'évident qu'une contribution même mensuelle est tout à fait justifiée. Patreon, j'ai déjà regardé, je trouve ça un peu capillotracté, on va dire. On a si tu veux, un de ces quatre, on peut en discuter, mais bon. Allez, on y va. Donc là, je mélange jaune solidage et autres. Et donc, le but, c'est de finir cette chose. Il ne faut pas que vous soyez triste. Tout bouge. Et je vous répète, sur Internet, comme on dit, quand il y en a un qui s'arrête, il y en a 50 qui reprennent derrière. Donc, enfin, moi, c'est pas pour autant que j'ai arrêté. Hein. Je vais juste m'adresser à un... Sauf, je vais vous dire un truc, sauf s'il y a certaines marques qui, elles, se bougent dans quelques temps. Donc ça, s'il y a, je vous prépare quelque chose actuellement, c'est d'un compliqué, mais vous allez voir. Ne vous inquiétez pas, il y aura toujours des choses gratuites bientôt. Je vous réserve des choses, je vous réserve plein de surprises. Alors je sais, vous allez dire, ouais, mais ça fait des années que tout nous sort ça. Le seul problème, c'est que, je vais même vous dire, jusqu'à hier, il y avait encore des trucs que je ne connaissais absolument rien. Pas en informatique, mais en web. Donc plus j'avance là-dessus, et plus... Mais vous allez voir, ça, vous serez tous gagnants. Pas plus ou moins. Mais voilà. Allez, on fait quelques herbages. C'est pas le tout de travailler avec Super Bros. De temps en temps, une bonne petite pointe, ça aide. Voilà. Quand je pense, en tout cas, à tous ceux qui sont là et qui me regardent, vous êtes quand même 20, 26 ! Ah bah c'est génial ! 26. Quand je pense à tous ceux, et surtout à vous qui regardez, alors qu'il y en a qui ont du beau temps, comme les Parisiens, et d'autres qui ont du temps de mer, enfin du temps comme chez moi, un dimanche, deux fêtes des mères en plus. Bonne fête à toutes les mamans. Je dis pas ça à la mienne parce que de toute façon, je sais que elle ne regarde pas mes vidéos. Aïe, aïe, aïe. Là, je suis soutenu, moi, je vous jure. Alors, on va passer quelques tons comme ça pour faire la lumière sur les troncs. Voilà.
Bon, là, il n'y a pas d'arbre, donc inutile d'en faire. On va quand même planquer les blancs et pas les monter en neige. Voilà. Ça, le petit jus, ça lui suffit. J'arrange les rochers. Là, j'avais des arbres qui ont disparu et l'indigo qui a encore disparu. Mais je ne vais pas me fatiguer. Vous voyez, j'ai des petits morceaux d'indigo qui restent de mon ancien truc. Et je vais les utiliser parce qu'il n'y a pas de perte. Alors, l'indigo est une des rares couleurs de chez Lutea. Qu'elle soit sec ou qu'elle soit naturelle. Enfin, qu'elle sort du tube, je veux dire. Ça. Mais ça change pas, hein, franchement. Par contre, les verts, tout ce qui est vert, tout ce qui est orange, et, etc., c'est vaut mieux que ça sorte du tube, croyez-moi. Et là-dessus, Anne-Sylvie avait franchement raison. Je me demande si je dis pas, si c'est Anne-Sylvie ou Anna-Sylvie, ou... je me souviens plus. J'espère que tu m'excuseras si tu regardes la vidéo, très chère Anne. Voilà. Je suis désolé, de temps en temps, j'ai des pertes de mémoire. Donc là, je vais faire quand même quelques branchages. Pas trop marqué, hein. Il faut que vous soyez quand même léger. Si vous faites des trucs trop sombres, après, ça fait pas beau. Je vous rappelle qu'il vaut mieux suggérer que marquer. Ou que trop marquer. Ou Nathalie marquer. Hein? Non, ça n'a rien à voir. Voilà. Là, c'est pareil. Vous pouvez en mettre un peu comme ça. Voilà. Oui. Il y a encore un dernier truc. On prend le noyer. On met un petit coup sur... En laissant quelques luminosités. Oh tiens, je t'avais oublié toi. Donc quoi? Voilà. Voilà. Là on frotte. Là on frotte. Là on frotte aussi. Ça l'intéressant aussi d'avoir du papier un peu à grain. C'est de frotter. Voilà. Je crois qu'on va bientôt y arriver, hein. Vous endormez pas les loulous? J'espère que vous avez mis de la musique, hein, de la bonne musique, hein. Un bon petit Sigur Rós. Allez, et là, je vous tutus. Bon, un petit Max Richter, alors. Qui connaît Sigur Rós ou qui connaît Max Richter? Il a déjà écouté. Allez, dites-moi tout. Pendant ce temps-là, je fais vite fait mon boulot. Hop, 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 hop. Pop, pop, pop. Je prends un coup de bleu. Voilà. 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 Putain, je... Si on commence à faire des directs de 2 heures, ça va pas aller. Hein, Patrick? Tu imagines un peu? Tu serais prêt, toi, à faire des directs de 2 heures? En tout cas, moi, ce que j'espère, c'est qu'un de ces quatre, on arrive à se voir
et qu'on puisse faire un direct à deux. Ça serait génial. Un direct à quatre mains, si on peut dire. Allez, on prend un coup de bleu. Je vais regarder ce que vous m'avez écrit éventuellement. Je repasse un coup. Moi qui déteste repasser. Et on fait avec. Et je ne sais pas si vous voyez, c'est que le jaune solidage que j'utilise là, en passant sur le bleu, on a franchement toutes les herbes. Alors bon, je pourrais le faire évidemment avec Super Boss, mais j'aime bien travailler au pinceau comme ça aussi. Ça fait quand même quelque chose de plus réaliste. Allez, j'ai plus de noyer. J'en avais, il m'en reste là. Allez, viens ici, toi. Voilà. Il n'y a pas de petites économies, les enfants. Allez, on y va. À mélanger. Je sais pas si c'était du noyer, ça, d'ailleurs. Bon, bah, je reprends du noyer, du coup. Que mine de rien, hein, vous avez vu quand même combien de fois j'ai rechargé la mule. C'est ça qui est assez impressionnant. Allez, on y va. Hop, on y va. Et on y va. Allez. Ces touristes qui cassent tout. C'est pour ça que j'avais laissé du blanc. Voilà. Voilà. Ne jamais oublier les petites pointes vu que c'est du fil barbelé. Voilà. Qui fait super mal au cul des chasseurs. Voilà. Voilà. Pour oublier les clous. Voilà. On passe un petit coup en dessous. Voilà. Là c'est bon, là c'est pas bon par contre. Encore un dernier truc à faire, et après, on finira, ou même ce sera quasiment fini. Quelques herbes par-ci, par-là. Sinon pourquoi monsieur Ducreux devrais-je décacasser, hein? Voilà. On pouvait prendre un peu de bleu si vous en avez trop. Pas inquiété hein, quand votre palette est toute dégueulasse mélangée comme ça. Quand vous faites des paysages, ça vous fait des tons un tout petit peu plus naturels. Alors bien sûr, les ayatollahs de l'aquarelle vont dire ouais. Du coup, les couleurs, elles sont plus ceci, moins cela, etc. C'est pas faux. Après, c'est un choix.
Soit vous préférez des couleurs patati, soit vous préférez des couleurs patata, comme là que je viens de faire. Des gros, gros trucs qui étaient pas beaux du tout. Voilà. Voilà. Combien de fois j'ai dit voilà? Oui, encore un dernier coup. Pour sortir super brosse. Ah, mais merde, j'étais super à l'aise, j'étais couché. On va remettre un petit coup avec un peu de noyer. Ah, bah oui, c'était bien du noyer donc. Mais il voulait pas se détendre. Voilà. Voilà. Quelques petits coups aussi. Comme ça, pour bien faire le côté usure du palan. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous m'avez dit? Alors, vous m'avez écrit plein de choses. Oh là 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 là. Ouh là 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 là. Alors, ah bon, moi j'imagine bien une campagne sur Ulule pour créer un livre sur l'aquarelle avec tous les conseils et œuvres. Il y a de l'idée, supervision informatique. Béatrice, je viens de regarder tes essais en vente. Quel est le prix de Agues Margue? Car comme tu l'as écrit, Orange ne l'affiche pas. Bah, tu le sauras très bientôt sur mon nouveau site. Manu, tu dois parler de ton nouvel ouvrage fabuleux sur ta Corse, si cher à ton cœur. T'as tout à fait raison. Il est sur lulu.com. Vous tapez aquarelle de la Corse et vous le trouverez. Et les loulous ne s'endorment pas du tout, Manu. Merci Françoise. Pas de souci, c'est agréable. J'ai écouté Sigur Rós à force d'en parler. Merci Valou. Bien sûr, OBS le permet. Cool. Bonjour Manu. Bonjour Sandpad. Bonjour à tous. Bonjour Joël. Ravi de te parler. Je sais que tu me suis énormément sur Insta, etc. Nous sommes à 29 personnes. Putain, au bout d'une heure 58. Oui, bien sûr, Siguros et Max, Richard, je connais, apprécie. Mais tu peux aussi Goldmoon. Je connais pas Goldmoon. Et Harold Budd. Ah oui, mais Harold Budd, c'est un vieux Harold Budd. Il est super connu. Je vais te raconter une anecdote sur Harold Budd. Pas moi, désolé. Depuis combien de temps pratiques-tu l'aquarelle? Oh ben, depuis maintenant 30 ans. Moi, 2 heures ne me dérange pas du tout. Et avais-tu des prédispositions au dessin avant de commencer? Bah, je te raconterai une anecdote là-dessus. Franchement, 57, voilà. Je te merde, Valou. Alors, donc, je vais essayer de répondre à vos questions. Et je finis un dernier, une petite choupinette de foncer par-ci, par-là. Bon, c'est pas du grand Manu, hein. J'ai quand même fait des trucs vachement mieux, hein. Des trucs, oui, vachement, vachement mieux. Je sais pas si je l'ai là. Que c'est un truc que j'avais déjà fait. Non, il est pas dans le, il est pas dans mon bordel. Non, non, il est pas dans mon bordel. Mais c'est pas du grand Manu, mais disons au moins je vous ai montré comment utiliser les couleurs l'UTA et surtout qu'est-ce que ça donne à la fin. Alors là, par contre, ça fait hyper foncé sur la vidéo, alors qu'en fait, c'est hyper léger. Donc, de toute façon, je vous ferai un rendu scannage et comme ça, vous verrez que c'est pas aussi foncé que ça. Mais sinon, alors, mais de rien, Manu. Désolé, j'étais avec mon binôme, j'ai pas tout vu. Je regarderai en différé. Bisous, Manu. Pour info, le livre sur l'accord de l'accord, superbe et à 40 euros. Merci. C'est pas du. Voilà. Mais c'était en tout cas pour vous montrer ce qu'on pouvait faire avec les couleurs l'UTA niveau paysage. En sachant que vous pouvez faire des trucs beaucoup plus doux, évidemment. Moi, je le travaille comme un bourrin. Hein, je l'avoue aussi quand même. Mais il y a des choses qui sont hyper sympas. C'est bête que j'ai pas plus préparé. Mais de toute façon, pourquoi je dis je suis bête, j'aurais pu préparer tout ça. Vous allez vous pianoter, vous allez sur mesaquarelles.com,
vous allez sur blog, vous cherchez, c'est pas le premier article, parce que le premier article c'est sur le 1535, mais je crois que c'est l'article suivant où je parle de la Lutea, et je vous montre où je vous ai fait des scannages de tout ce qu'on pouvait faire avec la Lutea en fonction du papier, je précise bien en fonction du papier. Bon, donc là, ça c'est fait, on revient sur notre modèle. Oui, il manque un petit ton. On va quand même dire, on parle d'un modèle et on dit il manque un ton. Il y a un truc qui va pas. Alors. Voilà. Voilà. Alors là, je regarde quasiment plus la photo à force de l'avoir regardée. Voilà. Voilà. Je suis désolé si je vous fais des bruits qui sont peut-être désagréables au micro, mais c'est une très mauvaise habitude que j'ai quand je peins. Heureusement que vous n'êtes pas avec moi. Sinon, je pense que je vous emmerderai avec mes tics. Voilà, lumière. Là, ça y fait un tout petit peu point. Point blanc, tac, tac, tac. Là, on a l'ombre, on a le machin, on a le truc. Ouais, ça peut aller. Voilà. On va remarquer un tout petit peu encore plus la cuisse. Voilà. Je vais effacer un tout petit peu ce truc là. Voilà. Ok, c'est bon pour moi. C'est vrai Manu, j'ai vu mieux, mais on a des jours avec et d'autres sans. C'est toujours intéressant de tout maintenir. Merci, très belle aquarelle, pas facile, tout à fait. Je range Super Brosse. Oh non, on va la laisser ici quand même parce que elle nous a accompagné pendant tellement de temps. Et donc, on va finir. Alors, je vais prendre le joli bleu d'un anthrème. Et donc, nous sommes le... Merde. Quel jour on est, les enfants? On est le 27 ou le 28? On est le 27, hein? Donc 27 5, voilà. Et je vais le faire sur l'autre. C'est pas un chef d'œuvre, mais alors bon. Je ne vais pas faire comme l'ami Patrick. Hein. Patrick, lui, il fait ses cadres. Il les met bien dedans. Il les présente bien. C'est super beau et tout. Bon, moi, c'est comme chez moi. C'est bordélique. Voilà. Mais, voilà. Donc, vous avez deux aquarelles. Donc, faites avec la Lutea. Vous voyez que... Au niveau des verres et tout, ben, ça fait quelque chose de très tendre, etc. Donc, je répète, il manque un peu les bleus. On n'a qu'un seul bleu, c'est l'indigo. Mais donc, n'hésitez pas à plutôt utiliser des bleus, moi je vais dire, non chimiques. Non chimiques. On va dire plutôt des bleus artisanaux. Alors, vous avez plusieurs marques. Moi... Je vais vous parler juste de Damisa, de l'Isaro. Vous voyez
voyez en tout cas pour les couleurs chères que c'est franchement superbe. Je mets ma main à côté, hein, vous voyez, c'est quelque chose d'hyper proche. C'est éminemment sympathique. Je viens de voir un truc que j'ai complètement oublié. Vous voyez, de temps en temps, on veut aller vite et on fait des conneries. J'avais oublié. Comme c'était marqué au crayon, mais vu que le crayon va s'effacer, voilà, et j'avais oublié, il est où mon orange? Il est là. J'avais oublié chez Churchill, ma pauvre petite. Voilà, et donc, niveau chair, etc., ça le fait hyper bien. Je vous jure, vous n'avez pas le côté, vous avez juste la lumière là du truc. Je vais tenter quelque chose, vous m'excuserez. Peut-être que ça va pas marcher, hein. Mais on a un rayon de soleil. Si, je vous jure, on a un rayon de soleil. Donc je vais tenter sans lumière artificielle. Allez. Alors, qu'est-ce que ça donne à la caméra? Pour l'instant, je n'ai pas le rendu. Ouais, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. Il faut vous dire que je suis dans un truc totalement enfermé, donc. Mais par contre, vous voyez bien les teintes, la légèreté des teintes de celui-là. C'est marrant, comme vous voyez, il suffit de. Au niveau des lumières, je vous remets de la lumière normale. Je vais vous dire, je croyais que je m'étais mis un poil dans l'index. Non, en fait, c'est une cloque tellement que je me suis chauffé le doigt. Alors, donc voilà, c'était juste pour vous faire un petit topo sur les UTA. Alors, pour finir là-dessus, hein, je fais pas de la retape. Alors, les conseils que je vous donne, si vous souhaitez utiliser pour pas très cher l'UTA, donc je vous conseille le bleu indigo, le jaune, le lac de solidage, le lac de noyer et éventuellement le lac de Garance. Voilà. Avec ces cinq teintes là, vous pouvez déjà faire des choses assez sympas, hein. Par contre, si vous souhaitez travailler tout ce qui est peau, etc., donc pareil, jaune de solidage, lac de Garance, rose, enfin, vous avez deux lacs de Garance, vous avez le rouge et le rose, hein, et n'hésitez pas éventuellement à prendre le lac de Cosmos si vous voulez des teintes un peu plus fortes, ou sinon vous pouvez mettre un brin de noyer éventuellement ou un indigo pour faire tout ce qui est un peu plus sombre. Mais déjà là vous avez quatre couleurs ou 5. Bon, voilà. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez profiter encore un tout petit peu de la promotion de chez Aquarelle et Pinceau. Voilà. Donc je vous ai fait un petit topo. Vous avez pu voir comment ça marchait. Je vais vous lire une dernière fois. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est maintenant. Ou ce sera jamais. Alors, c'est pas Manu, j'ai vu mieux, mais bon, alors, c'est un très bel accord, pas facile. 27, anecdote, lumière froide, bleutée, oui. Alors, à vous l'anecdote. Bon, allez, je vais vous poser l'anecdote. Ça s'appelle comment? C'est un pouce. Ça s'appelle comment? C'est un index pour montrer. Ça s'appelle comment? C'est un auriculaire. Pourquoi auriculaire? Pour se gratter l'oreille. Voilà.
Ça, c'est un, c'est l'annulaire. C'est là où on met la bague. Et ça, ça s'appelle comment? Je vous laisse réfléchir. Est-ce que vous avez des questions? Je vous donnerai la fin après. Vous voyez, je sais teaser moi aussi. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Ça peut être des questions surtout, hein, pas que sur la LUTA, il n'y a pas de souci. Profitez-en. Retirez la Runrunsen. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer en attendant? Allez, tu vas montrer un truc. Il y en avait un qui est... Ah oui, tes débuts en dessin. Et toi, tu as une... vas-y, pose ta question, Vali. Valou. Valoche. Ça c'est justement une aquarelle d'un truc qui éventuellement fera partie d'un bouquin que je suis en train de préparer. Alors, début. Alors, mes débuts en dessin, c'est très simple. Qu'est-ce que j'ai fait? Je dessinais, comme toute personne un peu timide et qui est dans son coin. Donc oui, j'ai fait beaucoup de dessins très cons. J'avais même inventé un personnage, vous voyez, j'ai une vieille enveloppe là, qui s'appelait Super Mamie. Et Super Mamie, en fait, c'était un personnage qui ressemblait un peu à ça, qui était comme ça. Et c'était une petite vieille qui était, voilà, je vous fais à peu près comme je l'ai dessiné. Enfin, peut-être c'est peut-être un peu mieux. Et Super Mamie, c'était une petite vieille qui était une espèce d'espionne qu'on ne pouvait pas savoir si elle était une espionne ou pas. Et donc, je racontais les histoires de Super Mamie. Voilà. C'était très con. Et j'avais... je ne sais pas quel âge j'avais, mais bon... Mais c'est pas pour autant que j'avais une prédisposition au dessin. J'aimais dessiner, mais c'est tout. Par contre, il y a quelque chose que j'ai découvert en déménageant de la Corse. C'était des petits bouquins que je fabriquais déjà. Et j'avais 6-7 ans. Donc déjà, je fabriquais des bouquins, je fabriquais des journaux, des trucs comme ça. Voilà, c'était l'anecdote. Mais par contre... j'ai commencé franchement l'aquarelle avec Maître Hardy et je connaissais strictement rien. Et puis j'étais beau, j'étais jeune, j'avais 18 ans, je sentais le sable chaud et c'est comme ça qu'après bon. Mais ça je le raconte dans Aquarelle, carnet de souvenirs d'aquarelle 25 ans. Mais bon, on s'en fout, c'est pas très intéressant. Ah, on est tombé à 22 personnes. Valoche parle. Entre les papiers harmonie et expression, quelle différence? J'ai vu qu'Aquarelle Pinceau vendait les deux. Ah bon? Ils vendent enfin l'expression? C'est très bien. Alors, attends, j'ai une pochette. Ah non, c'est pas ça. Je sais plus où est-ce que j'ai foutu. Alors, elle est là. Donc, dans l'Ainumule Expression, c'est du papier 100% coton. L'Harmonie, c'est du papier 100% cellulose. Le problème, c'est que le Ainumule, dans sa grande intelligence, je suis désolé Ainumule, je vous adore, hein, on est super potes, mais sur ce coup-là, vous avez encore manqué un truc. Ils ont fait les deux visuels sont identiques. Il y a juste le nom qui change. Donc, mais sinon, et je pense aussi le prix. Je ne sais pas combien est le prix. Hein, tu peux toujours le dire, Valoche, si tu as vu le prix sur de l'expression. Donc, c'est du 100 grammes.
du 300 grammes et c'est du 100% donc coton. Et c'est vrai qu'il est très bien. J'en ai fait une démo l'autre jour. Donc n'hésitez pas. L'Iluthéa se mélange-t-elle bien avec d'autres marques d'aquarelle? Oui. Il y a juste avec, mais bon, c'est le problème Sennelier, parce que Sennelier a tendance à foutre un peu trop de fiel dans leur couleur. Ça se barre un peu, mais sinon, on va dire en général, elle se mélange assez bien. Maintenant, est-ce que l'intérêt est de faire beaucoup de mélange? Moi, je te dis non. Oui, pour les bleus, c'est-à-dire pour prendre quelques bleus de chez Isa, mais sinon, le reste, vaut mieux travailler avec le même truc pour avoir cette espèce de teinte qui est très particulière. Parce qu'apparemment, d'après tes vidéos, les repentis sont bien pour les deux. Mais qu'est-ce qui les différencie? Ben, tout simplement, il y en a un, c'est du 100% coton. L'autre, c'est du 100% cellulose, tout simplement. Et le prix. Donc, il y en a un, tu peux le travailler un peu plus. Et le rendu couleur est un tout petit peu meilleur. Mais c'est vrai que c'est kiff-kiff bourricot. Il était en promo quand j'ai vu ça. Ça devait être une quinzaine d'euros, si je me souviens bien. Ben alors, je vais te dire. Si tu as un bloc 100% coton, 20 feuilles à 15 euros, moi, je saute dessus. Hein. Enfin, de toute façon, on me l'a envoyé, mais c'est pas très grave. Je vais quand même regarder, parce que ça, tu me surprends, Valoche. Le père Jean-Marc m'avait dit qu'il allait faire entrer ça, mais c'était pas tout de suite. Je n'arrive pas à voir le papier. Je sais pas où tu l'as vu. Et quand on dit je ne sais pas où tu l'as vu, on dit... on dit rien, parce que ça va encore me dire que je dis des cochonneries. Moi, je vois juste le papier harmonie. Hein. Je sais pas où est-ce que tu as trouvé l'expression. Enfin bon, je te fais confiance. Par contre, sur l'harmonie, t'as vu 15% de réduction. Voilà. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions? Ça fait quand même 2h20 que je vous tiens à l'arrêt. Vous êtes 25 encore. On est passé de 22 à 25. Bravo. Alors déjà, merci aux 25 qui me suivent depuis le début. Bravo. Et vous vous demandez tous quelle était la fin de la blague. Donc, pouce, index, auriculaire, annulaire. Donc, celui-là, ça s'appelle, eh oui, non pas le majeur, mais Whiskas. Pourquoi Whiskas? Pour les chats difficiles. Voilà, c'était ma dernière blague bien dégueulasse, parce qu'après tout, vous avez été habitué à toutes mes blagues hyper dégueulasses. En plus, elle n'est même pas de moi, elle était de Coluche. D'ailleurs, l'ami Coluche, tu nous manques. Je pense qu'il nous manque à tous actuellement. On en aurait bien eu besoin. Il a 13 euros l'expression. Bah, 13 euros l'expression, moi je saute dessus. 1h44 pour ta part, merci Patrick. Bah écoute Patrick, maintenant j'espère que tu vas encore nous faire des vidéos en direct, que tu vas t'amuser avec ta Ron Ronson ou avec d'autres trucs. Et... Ah, c'est 12 feuilles et graffin. Oh, bah, dis donc. C'est marrant parce que moi, mon bloc d'expression, c'est un 20 feuilles. Donc, je sais pas pourquoi.
Ah, c'est du 40-50. D'accord, c'est pas du petit. Moi, c'était un petit que j'avais. Joël, merci. Ben, merci aussi à toi, Joël, pour tout ce que tu m'écris sur Insta. Hein, vous êtes, franchement, merci. Alors, je vais faire le youtubeur, c'est-à-dire, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, à me suivre sur Instagram et sur, évidemment, Facebook. Hein. Je vous attends tous. N'hésitez pas à vous abonner. Vous verrez plein de belles choses. N'allez pas sur mon profil. Sur mon profil, je n'accepte personne. Sur mon profil, j'accepte que les personnes que je connais en vrai, avec qui j'ai tapoté dans la main, avec qui que j'ai chatouillé, avec qui je... Non, après, c'est des cochonneries. Voilà. Donc, mais n'hésitez pas en tout cas à aller sur mon Facebook fan, vous tapez, vous cherchez Manu Aquarelle, vous me trouvez. Pareil de sur Twitter, pareil sur d'autres choses. Et voilà, j'ai pas d'autres choses à vous raconter. Et 2h21, une, je crois qu'il est temps quand même que je vous laisse tranquille. Je ne sais pas quelle heure il est, c'est peut-être l'heure de l'apéro. Alors, comme c'est toujours l'heure de l'apéro, je vous souhaite un bon apéro, une bonne fête des mamans. Je vous dis au revoir. Je ferai peut-être une dernière vidéo sur la main du box, mais pas en direct. Et puis après, bah, je ne sais pas si pour la Menu Box 2, on verra ce qui se passera ou pas. Ça dépend pas de moi, comme vous le savez. Sur ce, je remercie donc Dame Lutéa, donc Anne-Sylvie, ou Anne-Sylvia, je ne sais pas, et tu m'excuseras. Je vous remercie tous de m'avoir suivi depuis le début. Depuis le début de la vidéo, mais depuis le début que j'ai commencé à faire YouTube et autres. C'est super sympa à vous tous. Et je vous embrasse tous, même si vous êtes des garçons. Allez, là-dessus les loulous, je vous laisse là-dessus. Et merci pour tout, pour tout, pour tout. Et c'était bien sympa tous ces moments avec vous. Allez, je vais vous dire au revoir.